Hey, salut à tous et bienvenue pour l'épisode 500 de la Dragon's Crazy. Bonjour. Bon, je suis en train de construire mon petit réacteur. Alors, je mets de l'eau pour l'instant parce que j'ai pas de cryothérium, j'ai pas de landorium liquide. Donc, du coup, pour l'instant, je mets de l'eau. L'eau, c'est pas vraiment le plus efficace pour refroidir un réacteur. Mais disons que c'est toujours une alternative qui peut vous s'avérer utile quand même. Faut le savoir. Donc du coup, je suis en train de remplir tout ça d'eau, tranquillou, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Hop, faut que je mette là pour que j'ai une source d'eau illimitée. Voilà. Ça, j'ai une source d'eau illimitée. Hop, je remets l'autre couche, naturellement. Tac. Alors, je lui fais beaucoup, beaucoup de style. Ça marche super bien, ce truc. Du coup, une couche là, et comme ça, j'ai une infinie partout. Hop. Voilà, comme ça, c'est parfait. On rebouche le dessus pour que ça fasse très beau. Et hop, le réacteur est complet. Ça se voit parce que, du coup, ils se sont linkés. Du coup, au niveau du contrôleur, voilà. Alors, on peut mettre jusqu'à 12 ingots pour l'instant parce qu'il n'y a qu'un seul fuel au milieu. On le rentre par ici, pouf, ça se met directement dedans. Et ça me dit que c'est rempli à 16,7%. C'est pas énorme, mais disons que pour l'instant, ça peut sauver des meubles. Bois un petit coup, ça fait du bien. Du coup, quand on va l'allumer, ça va générer de la température. Et voilà, on commence à produire en fait un excédent. 115 RF, ce genre de choses. On va dire c'est bas, mais pour l'instant ça produit que ça parce qu'il n'y a que 16% de rempli en fait. Donc 100, 134, 135 par la suite et ainsi de suite. On va le laisser tourner jusqu'à ce qu'il se remplisse tranquillement. Un réacteur là, il est bien. Ça, je vais le mettre là. Il y a un tesseract que je dois prendre. Je vais le foutre comme ça. Pourquoi? Parce que j'ai envie. Énergie montant. Énergie 77, 52, 77. Énergie underscore EP. Voilà. 70. Hop. Voilà. Hop, c'est l'énergie 70. Du coup, ça se remplit tranquillement, ça chauffe pas beaucoup, hein, forcément. Hop, ça monte et ça redescend. Pourquoi? Parce qu'on commence à bouffer de ceci. Du coup, on va voir si on a un autre tesseract. Ça m'arrangerait en fait de pas en refaire un. J'ai un autre tesseract, c'est parfait. Ah, c'est des foules. C'est pas des tesseracts tout court. Tesseract, tac. Voilà, un tesseract. On va faire le deuxième pour là. Du coup, sur ce tesseract, en fait, on récupère tout simplement l'énergie. Énergie IP. Hop, voilà. Donc ça sera linké du coup avec les tesseracts. Il faut juste que je mette un câble. Mais dans la logique des choses, c'est bon. Voilà, c'est ici. D'ailleurs, il faudra que je continue à ça. Pouf, 62 plus, 36 de plus, c'est parfait. Il y a tout ce qu'il faut. Hop, on va foutre les 36, ça fait 72, 120. Il me faut de la redstone. Il me faut encore de la redstone. De la redstone. J'en ai plus beaucoup, mais c'est pas très grave. Hop. Bon, ça c'est en train de se faire. Tranquillou. D'ailleurs, en parlant de redstone, peut-être le mettre plutôt en. Non, comme ça. Voilà, c'est plus rentable pour moi. Voilà, comme ça, je mets des blocs directement. Ça se remplira au fur et à mesure du temps. Du coup, ça, c'est l'énergie là, ça fait du 1000. Pouf, on le connecte. Hop, il est content. Ça, il n'y a pas de souci. Ah, c'est cool, on peut savoir ce qu'il y a dans le réacteur trap. Avant, on savait pas ça, tiens. Dans le réacteur, on savait pas en fait l'énergie qu'il y avait dedans.
si ton regard est là-dedans en fait. Donc l'énergie va là tranquillement, bah, c'est parfait. Ça produit 127. C'est un petit excédent, mais bon, c'est toujours ça ce qu'il gagnait en fait. Donc c'est parfait. Du coup, bah, ceci étant dit, on va pouvoir faire autre chose. Alors, j'ai le Tesseract qui est ici, c'est parfait, c'est magnifique. Pouf, voilà, ça me fera bûcher. Au niveau de la quête, tout est rempli. Et dans le bac, j'ai eu ceci. En fait, ça permet d'échanger. C'est comme ceux qui connaissent Tomcraft, ça permet de changer une zone par un autre cube. Voilà, tout simplement. Du coup, c'est sympa. Ça, bah, ça, il faut que je le mette là-dedans. Voilà. Du coup, continuons. Oui, il va falloir qu'on fasse justement les lasers. Dans les lasers, il va me falloir des préchargeurs. Les préchargeurs, tout ça se fait facilement. C'est pas ça le problème. C'est ça, le pink slime block. Le pink slime block, ça se fait avec Factory Reloaded. C'est le sludge. C'est pas le sludge. House. Voilà. Slaughterhouse. Voilà, tout simplement. En plus, ça consomme 1000 RF par. Oh putain, c'est cher. Est-ce que j'ai encore des gears? Ouais, mais j'ai pas des gears d'Invar. Fuck. Bon, on va faire ce qu'il faut du coup. Oui. Hop. Tu. Hop, on va attendre que ça coule parce qu'il va m'en falloir. Tout ça, j'ai. Bon, on va faire ce qu'il faut avant. Hop, il me faut deux haches comme ça. Il me faut deux épées fortes. Là, c'est plutôt de la merde. Ceci, il m'en faudra une. Je vais en faire deux comme ça. Et tout ce qui va autour, forcément, j'ai pas ce qu'il faut. Voilà. Hop, du coup, on va chercher ce qui va là. Hop. On va faire fondre tout ça. Une seule. Le deuxième, voilà, ça me plaît. Voilà, nous avons ceci. Alors, l'avantage c'est qu'on a un Tesseract, on a de l'énergie. Donc ça, c'est plutôt un bon point. What the fuck? Bah oui, le poulpe, c'est maintenant qu'il faut aller dans le réacteur. Bah oui. Ils s'en foutent royalement. C'est des poulpes irradiées. Bah oui les poulpes. Bah oui on fait un bain dans le réacteur. Oui bah oui c'est normal. Fait qu'il y a une logique avec Minecraft. Hein. Aucun souci. Bon au moins on a des poulpes irradiées. J'espère qu'ils prendront ce qu'il faut. Je reviens. Il y a la poste. Bon re les gens. Hashtag Maximo. Hein, livraison à domicile. Ça marche bien. Du coup, on en était où? Ah oui, on devait faire ça. Alors, c'est bien beau tout ça, mais il va falloir faire un petit terrain. Pourquoi? Parce qu'il faut que ça spawn. Et que bah, j'ai besoin de terre. J'en ai une qui est Silk Touch ou pas d'ailleurs. Je crois pas. Hein. Fortune. Non, j'ai pas Silk Touch là-dessus. Non, c'est sur WeGroove que j'ai Silk Touch. Tant pis. On va faire à l'ancienne naturellement et l'ancienne ce qui veut dire d'ailleurs moi ouais, ça va produit très peu pour ce que je veux. Hop, il va falloir faire ceci, voilà, tac, voilà. Ici du coup on va bouffer les deux côtés là. Donc, on va du coup prendre ça.
Espérant que ça pop facilement. Oui, normalement c'est bon. Voilà. Voilà. Allez, le dernier bloc. Je sais, c'est pas éclairé. Oh putain, il fait chier. C'est pas éclairé, ça pop pas. Torche. Oh, on va le garder. J'adore les poulpes dans l'eau quand même. Hop. Voilà. Ça a popé. Très bien. Pouf. Voilà. Comme ça, on a un cube de grâce. Où qu'il faut. Du coup, on va faire en sorte que bah, ça pop super bien ce truc. On va le foutre comme ça. Pink slime meat. Tout simplement. 2, 3, 4. 4. 4. Ouais, je pense que c'est suffisant. Au moins jusqu'à. C'est quoi sa range lui? Je me rappelle plus. Est-ce que j'ai le marteau qui va bien? Ça m'arrangerait. Hammer. Non, j'ai pas le hammer. C'est les abeilles, c'est les abeilles. C'est pas ce qu'il faut. Faudrait que je vire un petit peu tout ce qu'il y a le bordel là-dedans. Ouais, ça non plus. Fisher. Price. LOL. MDR. MDR, PTDR. Vous savez quoi là-dedans? Ah, c'est des chips. Ouais, c'est cool ça. C'est ce qu'il me faut en plus. Non, j'ai pas ce qu'il faut. Oh, déjà ça va être cool pour faire le mur. On va servir un peu de Botania. Peut être sympa. C'est cool des vaches, mais c'est pas ma clan qui va les pop, hein. Allez les vaches, on descend. Oui. Allez, c'est par ici la monnaie. Bon, fait chier. Oh, c'est bien au moins. Prolifère. Tech. Hashtag très bien, j'ai une notif. Du coup, je reviens, je vais préparer tout ça parce que je ne sais plus ce qu'il fallait. Bonjour les gens. Alors là actuellement je suis en train de chercher tout simplement une Netherwart parce que je suis en train d'avancer dans les quêtes petit à petit. Et bah, justement je cherche cette putain de Netherwart, je sais pas que je l'ai foutu. Malheureusement, je sais pas que je l'ai foutu. Ah c'était ça que je cherchais. Tac tac tac, Netherwart, c'est parfait. Hop. Pourquoi? Parce que je suis en train de faire un auto-spawner. Tout simplement. Hop. Du coup, ça. Petit rayon et ça. Ok. Alors, le cube là, en fait, ça fait jusqu'à la zone là. Ok. Du coup, comme ça fait que cette zone là. Ok, ça fait ça. L'autospawner, tac, ça fait une plus grande zone. Eh, j'ai bien calculé la zone de l'autospawner, waouh! Putain, je pensais pas que j'avais aussi bien calculé que ça. Du coup, sachant que ça et ça doivent être reliés en énergie, sinon c'est pas drôle. Hop, oui. Du coup, je vais le relier en version bourrin. Voilà. Voilà. Hop. L'énergie au milieu. Comme ça, il se remplit en énergie. Parfait. Une fois ceci étant fait, il me faut cela. Déjà, je vais foutre le mouton. Normal. Je vais pas mettre en exact copie, ça sert absolument à rien. Ce que je vais faire, déjà ici, il me faut tout simplement un tank ou un drum de mob essence. J'en ai besoin. Alors, à la tour à mob,
pense que j'ai ce qu'il faut. Putain, il a bien avancé, lui. J'ai tout ce qu'il faut ici, normalement. Salut, toi. Oh, oui. Il y a même tout ce qu'il faut bien. Je vais, comme il est plein. Ouais, comme il est plein. Ah ouais, carrément. Ça va, le mec, tranquille. Il se sert directement, YOLO, le mec. Ah ouais. Bah tiens. Je vais garder pour mon côté. Ouais. Oh ouais, cool. C'est qui a mis ça? C'est super cool, tu cours tellement vite dessus. Oui. Épée, c'est éclate, oui, je sais. On aurait dit que je suis en mode je ne répondrai pas. C'est pas très grave au pire. Du coup, on va faire ça. Et on va faire ça. Dada! Bon, alors, la chose à savoir justement avec ça, c'est grâce à un auto-spawner, vous faites spawner des moutons. En boucle, en boucle, en boucle. Si vous avez de la mob, ils sont en sous-dessus. Et dans son rayon, lui, il va justement, c'est comme un... Comment? Un grinder, ça va tuer les mobs. Cependant, je dis bien cependant, il va du coup nous récupérer du pink slime et il va nous récupérer de la mythe. Ça, c'est super important. Le pink slime, c'est super important. Pourquoi? Ça va justement nous aider à faire justement nos lasers. Mais pour cela, parce que je veux quand même récupérer ce qu'il faut dedans. Il y a des qui viennent de se connecter. Hop. C'est que je veux le mettre au-dessus. Voilà. Ça fait du 32, ça suffit largement. Il me faut un autre fluid duck. J'en ferai au pire. Oh bah en plus c'est pas cher du tout ça. Je pourrais limite m'en refaire. Sachant que j'ai tout ce qu'il faut. Je pourrais faire tout ce qu'il faut. Je vais m'en faire juste un petit coup d'un coup. Pouf, voilà. Voilà, ça suffit largement. On va du coup se mettre là. Et on va du coup se mettre comme ça. Et comme ça. Tac, tac. Voilà. Ça, c'est tout simplement. Ah bah GG déjà. Le mec il s'éclate super bien. Est-ce qu'il récupère les items, lui? Je m'en rappelle plus. Mais ça m'étonnerait. Enfin bref. On va faire ce qu'il faut. Tuc. Voilà. Là, ça se remplit en meuble essence et lui, il travaille. Donc du coup, ça travaille tranquillement. Vu qu'ils sont mob agressifs. Ah, ça c'est ce que j'aime bien. Alors, ça c'est du mythe et ça c'est de la mythe. Fuck. J'ai pas de pink slime. Pink slime, c'est très peu en fait. Ah, pink slime. Pouf! Voilà. Alors, voilà. Tout simplement, c'est que grâce à justement aux mobs qui se font tuer là, ici, on récupère du pig slime et on récupère de la mythe. La mythe, c'est en fait du lait. On va dire ça comme ça, c'est du lait, le mythe. On peut vérifier, hein. Mythe, voilà. On peut justement le mythe liquide. Quand on le travaille, ça nous fait un raw meat ingot qu'on peut faire des bons petits plats avec, des gros cubes, ce genre de choses. Et une fois cuit, bah, on récupère ceci, des cookens machin. Et quand on le fait cuire, bah, ça fait du charcoal. Donc il y a multiples façons. Et le pink slime, c'est justement ce qui va nous permettre tout simplement de faire justement popper le pink slime. Justement, le pink slime, c'est ça. Si on récupère ça comme ça, et quand on le dépose, ça devient justement ce liquide. Animals, large animals product mort. Du pink, de la mythe, ça travaille naturellement, hein, ce qui est tout à fait normal. Et on récupère, en tuant Slim, on récupère des bouboules comme ça. Et justement, on va récupérer ces bouboules dans une safari net, qu'on va naturellement faire. Une fois récupéré, on le duplique.
tout simplement, et on peut obtenir justement ces bouboules. Une fois ces bouboules faites, déjà ça sert de slime, c'est comme du slime. On peut faire ceci en faisant un bloc. Une fois cuit, on peut se faire des lasers préchargeurs. Donc du coup, je vais attendre que tout ça se fasse tranquillement parce que c'est très 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 long. Voilà.